guys, Marius here. I hope you're okay. Sorry, it's not the good mood. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Les gars, la semaine dernière, niveau FNAF, eh ben, on a super bien mangé là, c'est le cas de le dire. En effet, ce n'est pas une, mais deux bandes-annonces que nous avons eues. Nous avons eu une première bande-annonce concernant le tant attendu film Five Nights at Freddy's. Et croyez-moi, il y a tout un tas de choses à dire là-dessus. Et le second, en fin de semaine, vendredi soir, quand j'étais peinard devant mon émission, trailer sur le DLC de Security Breach, Ruine. Et là, mon gars, tu peux être sûr que j'avais super bien fini ma semaine et que mon week-end commençait vraiment bien. Enfin, bien évidemment, je vais parler de ces deux trailers et commencer par le film. Alors, tout commence par une courte publicité pour Freddy Fazbear Pizza, avec un monologue que nous connaissons bien. Nous retrouvons ensuite nos célèbres animatroniques prêtes à en découdre avec Mike Schmidt, un simple gardien de nuit, interprété par Josh Hutcherson. Une partie du casting, dont Elizabeth Leigh, Vanessa Monroe, Piper Rubio, Abby la petite sœur de Mike, ainsi que Matthew Lillard, William fucking Afton, est visible dans ce petit trailer, et cela nous montre que le récit ne se déroulera pas uniquement dans l'enceinte de la pizzeria. Et ça les amis, c'est vraiment très cool. Donc maintenant nous allons voir ensemble ce qu'il faut retenir de ce petit teaser. Déjà pour commencer, Josh Hutcherson en garde de sécurité. Avouez que c'est canon. Ah mais, désolé, hein, j'assume complètement ce que je dis, mais... Waouh. Ensuite, les designs des animatroniques sont vraiment magnifiques. Que ce soit sur les posters ou dans la bande-annonce, c'est vraiment réussi. Les gars, ils ont vraiment géré ça. C'est absolument incroyable. Il est vrai que ça faisait partie de mes craintes au tout début, hein, quand le film a été annoncé, mais... Franchement, waouh, je valide totalement le design des animatroniques. Vraiment, je suis vraiment ravi, vraiment. Et d'ailleurs, ce petit extrait représentant notre trio ne vous rappelle-t-il rien? Oui, exactement. Et franchement, je kiffe. Bon, on a aussi vu Foxy, naturellement. On a eu un aperçu de son ombre, ses pattes d'animatronique, ainsi qu'une partie de son visage. Dans la bande-annonce, il traque Abby et la sœur de Mike. Allez savoir pourquoi d'ailleurs. Mais je crois que j'ai une petite idée. Les gars, sur les affiches, Foxy est vraiment, vraiment très beau. Et j'ai hâte de le voir en chair et en os dans ce film, quoi. Chair et en os, en métal et en fil, si vous préférez. Ensuite, niveau humain, on a Mike, Abby, Vanessa, qui est potentiellement le love interest de Mike, je ne sais pas, on verra bien. William Afton, bien évidemment. Les gars, vous pouvez être sûr que quand j'ai vu Matthew Lillard, mais ça m'a fait crier de joie en fait, je me sentais plus, j'étais hypé de ouf. Déjà, je ne pensais pas qu'on le verrait dans le trailer, pas aussi nettement en tout cas, mais c'est vraiment incroyable en fait. Que demander de plus? Qu'est-ce que je peux demander de plus, quoi? William Afton apparaît en personne. Enfin, ce n'est pas tout, bien évidemment, les amis. Ensuite, nous avons ce personnage qui, rien qu'à sa face, est en train de vivre ses derniers instants. C'est très probablement le gardien de nuit avant Mike, voire peut-être même le fun guy. Et nous avons ensuite des enfants, 5 enfants, je dirais à peu près, qui se trouve derrière Mike dans une forêt. C'est sans aucun doute les enfants disparus, c'est même très 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 logique. Par contre, hein, les rires dans la vidéo là, j'ai pas trop aimé ça, j'ai trouvé ça très flippant. En général, j'aime pas les rires d'enfants de cette façon. Mais j'avoue que sur le coup, ça m'a surtout fait penser à Balloon Boy. Et vous savez quoi les amis, le comble dans cette histoire, c'est que Balloon Boy va avoir un rôle dans ce film. Je n'invente rien. Vous
pouvez aller voir sur le wiki FNAF, sur la page consacrée au film, vous verrez dans le casting qu'il y a Balloon Boy. Ouais, il y a aussi Puppet, ça c'est très cool, et aussi d'un sens très logique, de même pour Golden Freddy, qui n'apparaît pourtant pas dans le trailer, mais Balloon Boy, j'avoue que je comprends pas trop. Enfin bref, j'aime pas ce genre de rire, est-ce que j'ai déjà dit? Ouais, je l'ai déjà dit. On voit le bureau, et oh joie, il y a le poster Celebrate. Déjà ça c'est cool, non mais ça respecte totalement l'univers, c'est trop bien, je suis fan. Et ceci, ce screen là les amis, c'est mon screen préféré du trailer. Clairement Freddy là, il est menaçant et tout, j'adore, je suis totalement fan. Avant de conclure avec ce trailer et de passer à celui du DLC Ruine, je vais vous parler de trois petites choses. Déjà, premièrement, pourquoi les animatroniques traquent Abby? Je pense qu'ils veulent la protéger parce qu'ils croient que Mike est William. Souvenez-vous, dans les jeux, les animatroniques pensaient initialement que Michael était William. C'est très probablement le cas ici. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Je vois mal des animatroniques possédés par des gamins vouloir la mort d'autres gamins. Je dis ça, je dis rien. Deuxièmement, à un moment, on voit Mike se faire avoir et se retrouver face à ce truc étrange. Je me suis posé des questions à ce moment-là, mais de quoi il s'agit? Eh bien, en fait, ma première impression était la bonne, puisque cela a été confirmé avec une image bien plus nette, les amis. Il s'agit ni plus ni moins du moment où les animatroniques vous fourrent dans un costume. C'est assez logique, et puis rappelez-vous bien du screen Game Over dans FNAF 1, l'état du joueur après dans le costume. Ça se voit qu'il a passé un sale quart d'heure, et quand tu regardes ces trucs là avec les espèces de petites scies là, oh bon sang, ah bah rien que d'imaginer la scène, ça doit vraiment faire mal. Pas qu'un peu. Non mais en vrai c'est sans doute une scène qui représente un cauchemar ou je sais pas trop quoi. On verra bien, mais en tout cas, j'approuve ce détail, c'est vraiment très intéressant et c'est aussi très effrayant quoi. Non mais t'es peinard, tu te fais avoir et tu te retrouves comme ça prêt à te faire déchiqueter la gueule par ça. Encore une fois, ça doit pas faire du bien. Alors oui, soit c'est un cauchemar ou bien c'est seulement de justesse quoi. Et que après le 6 AM sonne. Vous savez, ça arrive très souvent dans le premier jeu notamment. Où il y a le Toreador qui marche et que Freddy se pote sauter à la gueule et que juste à temps le 6 AM sonne et que là t'es safe. Tu dis merci bon Dieu, oui, ben c'est peut-être ça qui se reproduit. Et enfin le troisième élément, c'est quelque chose qui dérange une partie de la communauté Five Nights at Freddy's, les yeux rouges. Ouais, les yeux rouges des animatroniques dérangent quelques fans. Et je ne comprends pas pourquoi en fait ils en font des caisses comme ça, c'est vraiment n'importe quoi. Vous savez, je suis fan de FNAF depuis presque 9 ans maintenant, hein. Mais étrangement, bah, les yeux rouges ne m'ont pas du tout dérangé, non, non, vraiment pas. Il y aurait eu les pupilles blanches, et bah, bon, ça aurait été cool évidemment, mais ce changement, bah, moi il me déplaît pas du tout en fait. Je trouve ça même très cool. Et ben, je n'ai rien à dire dessus, quoi. Je ne comprends pas pourquoi t'as des tas de gens qui critiquent, quoi, qui sont outrés de ce changement. Certains même qui vont boycotter le film à cause de ça. Je ne plaisante pas, les amis, j'en ai vu sur les réseaux sociaux. Et j'avoue que moi, je ne comprends pas pourquoi les gens y réagissent comme ça. Mais bon, on connaît la commu FNAF, l'une des plus toxiques communautés ever. Donc, d'un sens, ça ne m'étonne pas trop, hein. Enfin, voilà. Vous l'aurez donc compris, je valide totalement cette petite bande-annonce, hein. Je valide les posters, les designs des animatroniques, je valide le casting, je valide tout, absolument tout. Je n'ai plus aucune crainte maintenant, plus aucune les gars, vraiment plus aucune. Franchement là, je suis vraiment satisfaite de ouf, ça va être énorme. Ah, j'ai trop hâte de voir ce film, j'ai trop hâte de voir nos animatroniques Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, sans oublier Golden Freddy et Puppet. Et Balloon Boy aussi. Flûte. Ah là là, j'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus aussi, les amis. Et avant de se quitter, bien évidemment, nous allons parler du DLC Ruine.
Alors oui, j'étais tranquille devant mon émission. J'ai dû attendre la pub pour regarder le trailer. Ouais, ça m'a titillé tout le long. Qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, le personnage que l'on joue se nomme Cassie. Il s'agit de la petite fille que l'on voit sur l'image teaser. Et ce personnage Cassie va devoir sauver Grégory qui est piégé quelque part sous le Pizzaplex. Et bien entendu, nous voyons aussi nos chers Glamrock, Roxy, Monty et Chica qui se retrouvent encore une fois dans un état encore plus lamentable que la dernière fois qu'on les a vus. Ils me font presque pitié les pauvres, ils sont dans un état mais absolument lamentable. Et de ce qu'on voit de ce trailer, j'ai l'impression qu'on va devoir les achever pour de bon. Ils me font de la peine pour le coup. On a aussi Moondrop, Sundrop. Clairement là, on a un mélange des deux et c'est beaucoup trop badass. Puis vous avez vu ça? Là, il a les yeux rouges, enfin un œil rouge. Et là, vous dites rien? C'est bizarre quand même, hein? Enfin, toujours est-il qu'on peut l'appeler Eclipse. Parce que rappelez-vous ce que fait le soleil et la lune quand ils se rencontrent. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup le nouveau design du Daycare Attendant. Et moi, je sens qu'il va vraiment me faire flipper. Et j'aime pas trop parce qu'il a tendance à me faire vraiment beaucoup, beaucoup peur, le dude, là. Alors, j'ai hâte de le voir en action, néanmoins. Et on a aussi ce truc à la fin du trailer. J'avoue que je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est une nouvelle forme de glitch trap? Bah, il y a peut-être des chances, du coup. Et ça m'intrigue pas mal. Ce qui se passe dans le trailer, ça m'intrigue pas mal. On a aussi un passage où Cassie porte un masque de vanille, pas celui qu'elle possède dans Security Breach, mais plutôt celui qu'on a dans Help Wanted. J'avoue que je comprends pas du tout pourquoi, mais c'est intéressant. Par contre, il y a un truc qui me perturbe là-dedans, c'est clairement Grégory qui appelle littéralement Cassie à l'aide. Pourquoi l'appeler à l'aide alors que le gamin, il passe son temps à dégommer les animatroniques et à se plaindre? Je sais pas, je trouve que c'est pas dans son caractère ça, de dire « Au secours, viens m'aider, j'ai trop peur !» Non, j'avoue que ça ne correspond pas au personnage de Grégory pour le coup, non. Il y a un truc bizarre, je me demande si c'est pas Burn Trap ou je sais pas trop quoi, Glitch Trap qui essaye d'attirer Cassie pour la buter. Enfin, je serais pas étonné que ce soit pas Grégory qui dans ce trailer du moins, appelle Cassie à l'aide. J'ai des doutes là-dessus, on verra bien, mais ça me laisse perplexe. D'ailleurs, le prénom Cassie, eh ben, il y en a plein qui ont fait évidemment le rapprochement avec Cassidy. Je vois déjà les théories arriver, hein. Je vois déjà Game Theory arriver. En tout cas, les amis, je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus sur ce petit trailer. En tout cas, ce qui s'y passe est vraiment très intéressant. Les animatroniques qui sont encore plus effrayants et endommagés qu'avant. Pareil pour Moondrop, bordel, son design est incroyable et me fait vraiment flipper. Et puis, je suis sûr qu'on n'est pas au bout de nos peines encore avec lui dans ce DLC. Il va encore nous en faire chier. Déjà, je dirais que le passage dans la garderie quand il était en Moondrop, là... Laisse tomber quoi, mais là, le truc à la fin, n'hésitez pas à me faire part de vos théories parce que ça m'intrigue pas mal. Et n'hésitez pas à me dire si vous pensez que c'est vraiment Grégory, mais j'ai vraiment des doutes là-dessus. Hein. D'ailleurs, il y a peut-être des chances que Cassie meure à la fin du DLC en se sacrifiant pour Grégory, je sais pas. N'hésitez pas à me faire part de vos théories concernant ce trailer et ce que vous imaginez pour ce DLC. En tout cas les amis, moi je vous laisse ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre ressenti sur ces deux trailers. Les amis, est-ce que vous êtes autant hypé que moi pour ce film FNAF? Qu'est-ce que vous pensez des designs des animatroniques? J'ai hâte d'en discuter avec vous. Concernant le DLC, n'hésitez pas à me faire part de vos petites théories si vous en avez pour le moment. Et me dire ce que vous pensez de Grégory, Cassie, le truc à la fin et compagnie. Et voilà, c'est ça qui est ça. Donc en plus du commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye !